Alors, c'est parti avec l'interface de Sony Vegas. Nous avons ici un petit tableau. Cette partie correspond à la zone d'info des pistes. En fait, c'est à cet endroit que nous allons créer les pistes audio, vidéo ou même du texte. Alors, nous allons essayer. En faisant un clic droit sur la souris, nous avons là insérer la piste audio ou alors insérer une piste vidéo. Nous allons par exemple créer une piste vidéo. Voilà, voilà à quoi elle ressemble. Et pourquoi pas, nous allons ajouter aussi une piste audio. Alors, les pistes s'étendent vers la droite. Alors, il est possible de d'étirer comme ça, sans souci. Alors, sur chaque piste, en fonction de chaque piste, vous verrez des icônes et des options que nous allons voir au fur et à mesure. Mais déjà, de prime abord, vous pouvez constater qu'ici, nous avons le volume de la piste. Par exemple, là. C'est ce volume qui permet de contrôler toute la piste ici. Nous avons ici le petit S comme solo. Il permet d'isoler dans le cas où vous avez plusieurs pistes. Vous avez à côté là le bouton mute. Ainsi de suite. Vous avez ici le bouton des effets. Vous avez ici le bouton pour faire des enregistrements audio, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous allons voir le fond en comble, les fonctionnalités sur les pistes, mais de manière pratique.